Et yo tout le monde, c'est Easy. Putain, Et c'est incroyable. J'allais dire que yo tout le monde, c'est Easy. Mais Easy, c'était à l'époque. Maintenant, je me suis. Les pseudos niquent sa mère, les intros niquent sa mère. C'est Esteban. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft. Je vous l'avais presque teasé, hein. Enfin, sans plus. Je vais vous présenter le monde que j'ai créé pendant le confinement. Je ne jouais pas tous les jours, hein. Je tiens à préciser. Mais pour quelqu'un qui n'est pas professionnel de Minecraft, qui connaît pas grand-chose à la construction, nous voilà ici. Dans la dernière vidéo où j'explique à peu près la suite des événements qui auront sur la chaîne, je vous avais dit que il n'y avait que deux bâtiments que j'avais pas construits. Je vais faire en sorte de que vous voyez rien. Ouais, c'est pour garder le suspense. Et nous voilà. Wow. J'ai réussi à tout cacher, wesh. Bon, vous voyez des petits trucs, hein, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'a fait la poule, wesh? Ah ouais. Bon, je vais vous faire visiter. Bon, en gros, Minecraft, ah, ça fait tellement longtemps. Faudrait que je fasse un survie, hein, sur un de ces quatre en Minecraft. Mais sauf que vu que je m'y connais pas super, hein, à part tricher un petit peu, hein, enfin, ouais, oh, ah non, c'est vrai que celui-là, je l'ai acheté. Ah bah, faut y aller en arrière, hein, c'est compliqué. Tac, allez. On va retrouver le droit chemin. Voilà, dans mon. Ça, on va l'appeler. Tac. Oh. Et. Désolé. Bienvenue dans mon confinement. Tintintin! Voilà, bienvenue dans mon confinement. Bon, un grand et long tunnel, hein. Faut savoir que c'est pas comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé parce qu'en fait j'ai téléchargé la maison qui est là. Mais on va aller visiter toutes les pièces une par une. En commençant par. Bon, il y a beaucoup de pièces vides, hein, clairement, qui n'ont pas énormément d'utilité. Par exemple, ici, il y a juste ça. C'est juste un petit détail, tac. C'est pour aller dans l'under, hein. Voilà. J'ai juste fait ça en deux, hein. Mur en bois, escalier, trappe camouflée dans l'eau. Bon, je suis pas un expert, hein. Mais j'aime bien construire, hein. Après, nous avons l'endroit où il y a la mine. Alors là. Bon, c'est un petit truc assez sympathique, hein. Il n'y a pas que la mine. Même, on va commencer par voir un peu comment elle est. Elle a toujours pas été creusée, hein. Elle était déjà comme ça de base. Puis, j'ai décidé de finir ici pour l'instant. C'est vrai que j'aurais pu mettre un prochainement, mais j'y ai pas pensé. Un peu plus loin, on va pas mettre de panneau, wesh. Là, les escaliers qui descendent dans de l'eau pour aller, on sait jamais, au bunker, hein. Bon, il n'y a rien du tout parce que je l'ai pas travaillé, parce que je sais qu'il n'y aura pas grand chose, hein, tant que je suis pas en mode survie, c'est bon. J'aime bien le délire de l'eau. Bon, voilà. Après, nous avons la ferme que j'ai téléchargée aussi. Avec ma maison, la ferme que j'ai téléchargée. Ce qui recouvre la ferme, c'est juste moi qui ai fait ça. Je sais pas pourquoi. Fallait que je m'occupe pendant le confinement, hein. À savoir que le tunnel là, avec les marches et tout ça, c'est moi qui l'ai construit, hein. Ouais. Les petits enclos. Bah, en même temps, vu que c'est la ferme, hein. Voyons voir ce qu'il y en a d'autres. Ah, des carreaux.
Bon, les légumes qui poussent. Il y a trois lits ici, hein. C'est juste à savoir. Hein. On va voir le bâtiment. Voilà. Voilà ma ferme. Allez, elle est grande, hein. On va rentrer dedans pour que vous voyez comment c'est. Même si c'est pas moi qui l'ai construit. Oh, le salon. Avec la bibliothèque. Première chambre avec. On peut pas les fermer. Et en haut, bah, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait j'avais pas fait gaffe. C'est tous les stockages de. Je quoi? J'ai encore découvert une pièce, wesh. Wow, y a par contre, il y a du stockage, hein. Ah ouais, il y a beaucoup de stockage, hein. Bon, pour ceux qui se demandent, je joue sur téléphone. Ouais, j'ai dû acheter. À l'époque, je le modais. Enfin, en gros, je l'achetais pas. Après, nous avons aussi ici une petite maison, je pense, pour les entretiens. Avec un lit, 6 coffres, 2 fours, un établi. Nickel pour la survie. En vrai, j'aimerais bien prendre ça pour faire le mode survie, mais. Ouais, après, ça serait cheaté, quoi. Après, on va. Allez, à la deuxième. Je pense que la prochaine, c'est ma maison. Hein. Voyons voir. Ouais, ma petite maison que j'ai aussi téléchargée. Ouais, c'est en vrai, c'est par là que j'ai commencé. C'est la maison que j'en ai chié un peu. Hein. Parce que peut-être que je l'ai pas fait, mais fallait recouvrir tout ça. Enfin, ouais, parce que ça prend pas les bonnes dimensions. Enfin, c'est compliqué. Alors, on va commencer avec ça, qui n'est autre que. Les toilettes! La salle de bain qui est ici. Ah, ok. Bon, bah, ça c'est dehors. Bah, c'est une petite terrasse sympathique. Voilà. Bon, hein, c'est un peu pareil partout. Ah oui, ça c'est un truc que je vais vous montrer. Ici, nous avons la cuisine, mais. La première fois que j'y suis allé, il y avait ça. Et ça, vous voyez, c'est toutes les machines à. Enfin, en fait, je sais pas ce que c'est. C'est étrange parce que. Bon, c'est étrange parce que je sais pas ce que c'est. Je m'en fous du panneau. Voilà. Il y a cette pièce qui est étrange. Si quelqu'un sait. À quoi ça peut me servir? Bah, qui me le dit, hein, dans l'espace commentaire. Après, nous allons à l'étage. En vrai, j'aurais kiffé qu'il y aurait un truc secret ici. Juste ici, là. Faudrait que je mette un panneau et marque à penser. Ouais. Nous avons l'accès aux chambres. Oh, ça c'est là, wesh. Avec une chambre. Désolé. Une petite chambre, mais qui est quand même très sympathique avec 4 coffres. Ceux qui veulent la survie, ça peut être fait. La même chambre, hein. J'avoue que moi je me suis attribué la meilleure. Elle est tout le temps ouverte. Une chambre double. Avec 4 coffres aussi. Hein. Hein? Ah ouais, ça nique un peu le délire, quoi. Oh, tu vas sortir? Et bien sûr, this is my chamber, chambre Esteban. Qui est peut-être pas la plus grande, mais qui est la plus stylée pour moi. Ah ouais. Avec 1, 2, 3, bah avec 6 coffres en fait, hein. Avec 6 coffres. Après, là on a déjà vu.
Ouais, y a des petits trucs, hein, vous inquiétez pas, ça c'est les petits trucs assez admiratifs, hein. Franchement, je suis pas peu fier. Le tunnel, en vrai, je suis pas peu fier non plus. Alors là, on va commencer avec en bas. De bas, ça devait être. Un truc de chevaux. À l'époque, il y en avait plein, maintenant, il est tout seul, hein. Pourquoi tu restes ici? Ouais, j'ai tout le foin qui est là. Avec la cible de stand de tir qui est juste au-dessus. Puis là, je l'ai pas encore travaillé, mais c'est une mine. Ouais, une sorte de mine secrète. Hein. Ici aussi, je fais un petit truc sympa. C'est quand je me sens mal. Enfin, c'est des exemples à la con. J'ai fait ça. Un endroit où il n'y a que des boissons pour respirer sous l'eau. Et après, je me mets dans mon coin. Juste ici. Enfin, en vrai, j'ai de la respiration alors. Hein. Comme ça, je suis là, posé. Pas beaucoup d'accès de sortie, pas beaucoup d'accès de montée. Voilà. Bon, après, qu'avons-nous? Ah oui, le stand de tir. Oh, je viens de voir que la lave, elle est pas super droite. Tout en lave, entouré de cascades d'eau. Un camp bleu, rouge, vert et jaune. 2, 3, 4, oui, c'est tout à fait ça. La cible un peu modifiée, hein. Jaune, c'est le plus gros. Rouge, un peu plus faible. Enfin, voilà quoi, le blanc et le noir, c'est de la merde. Maintenant, en fait, faut savoir où, par où ressortir, en fait. Ah bah oui, je peux faire ça. Suis un peu con. Qu'avons-nous là-bas? Ah oui, bah c'est pour aller chercher les flèches. Ouais, on va un peu plus vite d'un coup. Ouais, c'est le chercheur de flèches qui va là. Hein. Alors, on va passer à la pièce suivante. Qui n'est autre que la prison, je crois. Je crois que c'est la prison. Ouais, pas d'originalité. J'ai fait une prison. Et ouais, c'est la prison, c'est la banlieue. Y a des cellules de libre. Y a des cellules de plein. Enfin, je crois qu'il n'y a qu'une cellule de vide, en fait. Hein. Ouais, non, sors pas, frérot. Je te l'avais pas vu. Ah là, il y a beaucoup de chats. Hein. Ah oui, là, il y a du monde. Et là, il y a personne. Oui, je fais gaffe de pas rentrer parce que sinon, c'est galère pour sortir. Même si je suis en créatif, c'est galère pour sortir. Quelle est la pièce suivante? Parce qu'il y a quand même des sacrés. J'ai construit de sacrés trucs qui ont mis pas mal de temps. Hein. Vous avez dû les voir. Par exemple, là. Ah ouais, c'est des gros trucs comme ça. Là, c'est quoi? Ah ouais, je sais plus. Ne me demande pas ce que c'est. Moi-même, je sais pas ce que j'ai voulu faire ici. Une triple entrée, déjà. Déjà, au moment où tu fais une triple entrée, déjà, c'est. Le toit. Mais en fait, j'ai voulu faire une petite pièce comme ça. Enfin, après, je sais pas à quoi ça va me servir. Puis en face. En fait, c'est pour aller encore à une mine qui n'est pas finie, vu que bah j'ai pas tout fini en fait, mais vu que je vous avais dit que je ferai la vidéo de ce que j'ai construit. Après, beaucoup de chemin, à chaque fois c'est moi qui mettais le chemin en feuille morte. Hein. Là, nous avons le commerce. Ah, ouais, y a une plaque. En gros, bah là, tu décides. Ce que tu veux, par exemple, tu veux de la pomme de terre cuite. Oh, shit. Oh! Bon, voilà quoi. Cookie. La soupe du pain. Bon, après, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui fasse le vendeur, en fait. Non, du genre comme ça. Bonjour, que voulez-vous? Ok, je vous le sers ça tout de suite. Allez, c'est parti. Avec la sortie qui n'est jusque ici.
Après, nous avons quoi comme gros bâtiment? Là, on atteint un level au-dessus. Tac, tac. On a be juste besoin d'un petit objet parce que c'est quoi ça? Pépite de fer. Ah, d'accord. Ouais. J'ai eu des mises à jour, apparemment. Ah, tac, tac. Alors, à la place de ça, on va mettre ça. J'ai dit, on va mettre ça. Et tu places le bouton là. En vrai, ça aurait été une plaque. Et tada, un stade de foot, motherfucker. Alors là, j'avoue que cette création, je suis pas peu fier de moi. Hein. Elle m'a mis du temps. Hein. J'ai mis du temps. Hein. En sachant que vu que j'avais commencé par faire tout le terrain, enfin, c'était extravaganza. Avec trois entrées de tribune, et bien sûr, avec la couleur de mes équipes. Bon, si vous reconnaissez pas le bleu, rouge, blanc, c'est le PSG. Mon équipe favorite en Ligue 1. Rouge, bon, rouge c'est compliqué vu qu'en fait de base c'est censé être Bordeaux. J'avoue, j'aurais pu mettre l'orange, mais c'est censé être Bordeaux et c'est la Roma avec la légende du club Francesco Totti. J'ai même le survêtement de la Roma. Et ici nous arrivons en Allemagne avec le BVB, le Borussia Dortmund. Ouais, c'est des petits trucs assez sympas et franchement, je suis pas mécontent de ce stade. Avec le toit. Ouais, c'est un stade couvert. Hein. Qui a été très long à faire. On récupère le bouton et voilà. Hein? Je vais vous montrer comment on a l'accès aux caisses. C'est juste ici. Ah oui, il faut toujours avoir son bouton par contre sur soi. Voilà. Ouais, toujours avoir son bouton sur soi. Tac. Ouais, il y a quand même des plaques, hein. Toujours mettre des plaques. Et faut toujours avoir son petit bouton sur soi pour venir ici. Si t'as pas ton petit bouton, bah déjà, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Et là, bah, on a l'accès à la caisse jaune. En bas, là, en face, c'est la caisse noire. Et là, il y a le bouton pour faire veuillez entrer. Et voilà. Toujours ce délire avec l'eau, hein, j'aime bien. On reprend le bouton. Vous savez pas le nombre de trucs que j'ai construit sans savoir ce que je pouvais en faire. Ah, bah, ouais. Genre, je crois le bal pro. Ah oui, merde, je l'ai pas ouvert alors que j'ai fini aujourd'hui. J'ai fait aujourd'hui ce bâtiment-là. Déjà, à quoi il sert? Je ne sais pas. Ce bâtiment-là aussi, je pense que je vais en faire des maisons. Franchement, il y a des trucs que... Bah, je sais pas. Voilà. S'il y en a qui ont des idées de ce que je peux en faire, bah, dites-le moi. C'est compliqué, hein. Après, on a quoi? Ah oui, le terrain de street basket. Le terrain de street basket. Voilà. Un bon petit terrain de street basket. Abrité, oui, parce que c'est bon. Voilà comment on fait des paniers de basket. Hein. Oh, je pense que j'ai bien respecté en vrai. Hein. Terrain de basket. En street. Enfin, avec des verres en plus. Et là, on entre dans aussi un très gros projet qui. Enfin. Une très grosse construction qui m'a mis énormément de temps. Quoi, j'ai dû, c'est vrai que pour faire tout ça, j'ai dû brûler des forêts. Nous voilà dans l'entrée du Stadium of the Basketball. Bon, c'est juste un petit détail, hein. Tac. Mais on ne sait pas pourquoi il y a une double porte, hein. Moi-même, je ne sais pas.
Un petit salon là pour dire bonjour, hein. Et nous voilà dans le Stadio del Basketto. Où je crois que j'ai fini. Enfin, je suis pas sûr en fait si je l'ai fini. Si, si, ici, il y a les portes. Ah bah ben non, je l'ai pas fini. J'ai fait ça de l'autre côté aussi. Ouais. Non, non, j'ai dû faire exprès pour mettre du jour. Avec les tribunes, beaucoup de lampes, de flammes. Des passages pour pas passer. Genre, pas passer par là, mais tu passes par là. Je trouve qu'il manque des trucs. Enfin, ouais. Là, par exemple, il manque des torches, hein. Enfin, vous voyez, voilà à peu près ce que j'ai fait, quoi. Bon, franchement, c'est. Il y a 20 minutes de vidéo. Le truc, tout ce que j'ai construit, ça m'a pris plus de 20 minutes, hein. Ça a pris des heures, enfin des jours même. Des jours et des jours. Puis, je vais vous montrer aussi la dernière construction que j'ai faite aujourd'hui, hein. Qui n'est autre, bah, on l'a vu tout à l'heure dans le bâtiment. Sauf que vu que je l'ai fait aujourd'hui, vu que je m'ennuie un peu, on va aller la voir tout de suite. Tac, tac. C'est juste ma dernière construction. Alors, voyons voir. Ouais. Voilà ma dernière construction. Je dirais que c'était des appartements. Là, c'est un chemin pour dire. Ça, en gros, ça, quand j'aurai un peu d'inspiration, je viendrai construire. Si vous avez des idées de quoi que ce soit que je peux construire et que j'y arrive, dites-le moi dans les commentaires. C'était tout pour cette petite vidéo où je présentais ce que j'avais fait pendant mon confinement. Enfin voilà, hein, pas grand-chose, hein. Ouais, pas grand-chose. Est-ce qu'on a une vue générale de tout? Ouais, pas grand-chose. J'ai amélioré le village où je m'étais un peu spawn de base, hein, clairement. Enfin, en lui-même, il n'y a pas beaucoup de bâtiments, c'est juste ils sont chiants à faire, quoi. À part celui-là et celui-là. Enfin, celui-là, celui qui est là. C'est différent. J'ai le bâtiment en lui-même, je l'ai pas construit, mais le support là, avec les vitres, toutes les couleurs, c'est moi qui l'ai construit. Après, ça là, je l'ai construit. Pareil pour ça. Tout le tunnel que vous voyez, bah, là, que je montre, c'est tout le tunnel, c'est moi. Là, le stade de foot, c'est moi. Le stadium, c'est moi. Le street basket, c'est moi. Là, c'est moi qui l'ai construit. Le bâtiment qui est là. Le bâtiment au fond qui va sûrement être des immeubles, c'est moi qui l'ai construit. L'épicerie, c'est moi qui l'ai construit. Ce bâtiment que je ne sais pas encore ce que c'est moi qui l'ai construit. La prison, c'est moi. L'écurie, bon, c'était pas compliqué, c'est moi. Le stand de tir, c'est moi. Et puis toutes les mines. C'est moi. Ouais, parce qu'il faut savoir que je crois que si je vais en cette direction, je retrouve des vieux bâtiments. Hein. Ouais. Sur ce, les amis, c'était la petite vidéo. Que j'avais, je vous avais dit que je la ferais, je vous avais dit que je vous montrerai ce que j'ai fait pendant mon confinement. Et ben voilà. Bienvenue dans mon confinement. Bienvenue dans mon confinement. C'est sur ce, les amis. C'était avec grand plaisir de vous présenter tout ce que j'ai fait. S'il y en a qui veulent des tutos et que j'ai la foi, je le ferai, hein. On se dit à la prochaine. C'était Esteban. Peace.